Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo prescription lab du mois de décembre, je vous le dis, je suis Covidée. Donc là, je vois un petit peu le bout du tunnel. Donc, c'est pour ça que j'arrive à filmer aujourd'hui, que j'ai un maquillage très léger et que je parle du nez surtout. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de mes problèmes de Covid, on est là pour parler de la bessime du mois de décembre. Qui très honnêtement s'est fait un petit peu désirer parce que habituellement je la reçois vraiment mais soit en toute fin de mois précédent ou en tout début de mois de décembre. Et là nous sommes le 10 décembre et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc pour cette blissime du mois de décembre, je crois qu'elle ça reprend un petit peu les illustrations du calendrier de l'Avent que je n'ai pas pris cette année. On va regarder ce qu'il en est au niveau de ma sélection, parce que Blissim, chacune reçoit une sélection différente en fonction de son profil beauté. Pour l'instant, tous les unboxings que j'ai vus, j'ai trouvé que la box était quand même relativement sympa. Donc on va regarder si la mienne l'est tout autant. Donc on y va, bien évidemment, je retrouve mon petit livret. Le thème de ce mois-ci, sans grande surprise, c'est Christmas Party. Donc on y va, on va y aller dans le sens du petit livret. Alors je trouve dans ma box un code promo pour le petit ballon. Le petit ballon, c'est pareil, c'est une box à laquelle je suis abonnée depuis, je crois que ça va faire 4 ans que je suis abonnée au petit ballon. Donc c'est 2 bouteilles de vin par mois, je crois que c'est avec les frais de port compris, je crois que c'est 23 € par mois à peu près. Et honnêtement, c'est vraiment une box qui est très sympa. On est rarement déçu par les vins du petit ballon. Donc écoutez, je vais me garder le code promo parce que c'est 10 € offerts sur une box, donc c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, mais en tout cas si cette box-là vous intéresse, elle est très sympa. Je crois que je vous ai mis également mon lien de parrainage en barre d'infos si cette box-là vous intéresse. Je ne sais pas par contre ce qu'elle peut éventuellement vous rapporter. Concernant la Blissim également. Je crois que c'est sous forme de points. Si vous passez par mon lien de parrainage, vous cumulez un certain nombre de points. J'en cumule aussi, je crois. Enfin, mais c'est valable sur le shop et pas sur la box. Du coup, qu'est-ce que je trouve également? Alors là, je suis trop contente. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de box en collaboration avec MAC. Donc là, effectivement, j'ai reçu ma carte de 15 € valable chez MAC. MAC, c'est une super marque de maquillage pour celles qui ne connaissent pas. J'aime beaucoup leur fond de teint également, mais vu que c'est pas forcément dans mon budget, obtenir une petite carte cadeau de 15 € sur le shop, c'est quand même vachement sympa. Donc ce sera utilisé. Ça, c'est très très bien. Déjà, ça, c'est une première très bonne chose. Donc. En suivant, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais chercher. Donc, visiblement, c'est un parfum de la marque Courrèges et c'est l'eau de liesse en format 5 ml. Donc, la petite boîte était déjà ouverte. Alors, j'aime beaucoup les miniatures de parfum. Alors là, ça fait très minimaliste, hein, mais c'est voilà. Là, on est sur un bel échantillon. On ne peut pas dire que ce soit un échantillon. C'est une jolie miniature. Alors, je ne sais pas du tout si je vais réussir à sentir quelque chose. Alors, je sens très légèrement, donc je ne voudrais pas que mon opinion soit faussée. Donc, on va dire que je ressentirai ce parfum d'ici quelques jours. Peut-être que je pourrai m'en faire un meilleur avis. On va dire ça comme ça. Donc, déjà, un petit parfum format 5 ml, on n'est pas trop mal. Ensuite. Donc du coup, je vous dis quand même ce qu'il en est. Note de tête Néroli, note de cœur Floral et Iris et note de fond Musc blanc et Ambroxan, ingrédients signature de la maison Courrèges. Donc le format 100 ml est disponible sur le shop au prix de 97,75 €. Pour un 100 ml, honnêtement, on a vu pire en termes de prix. Ensuite, je continue. Produit également que je crois que j'ai vu dans tous les unboxings. C'est l'huile démaquillante de la marque Imparfaite. Donc là, on est sur un format 10 ml. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une huile démaquillante qui élimine parfaitement tous les types de maquillage, même waterproof.
Dans sa formule de la fleur de camomille reconnue pour ses propriétés apaisantes, après rinçage à l'eau claire, la peau est nourrie, douce et lumineuse. Alors moi, j'utilise beaucoup les huiles démaquillantes, huiles, baumes, voilà, je me démaquille principalement à ça. Donc ce sera avec plaisir que j'utiliserai cette huile. En plus, ce que j'aime bien chez Imparfait, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours des petits noms rigolos. Donc là, c'est l'huile démaquillante pour peau merveilleuse. Donc écoutez. On verra bien en tout cas si son efficacité est bonne. Bien sûr, je vous ferai un retour en produit terminé. Je vais quand même vous donner le prix de ce produit. Donc le format 150 ml est au prix de 11,82 €, ce qui honnêtement pour une huile démaquillante est tout à fait raisonnable. On continue avec une huile universelle sur gras de la marque Cavaillès. Donc c'est un format de 50 ml. Alors je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas forcément à recevoir un. Enfin, gel douche quoi, gel douche Cavaillès, enfin voilà. Donc visiblement c'est une nouveauté, une huile universelle de surgras qui va devenir votre allié quotidien pour aider le processus naturel de régénération des peaux de toute la famille. Visiblement c'est un produit qui a eu une victoire de la beauté 2021-2022. Bien écoutez, oui, je testerai. Après, voilà, une huile de douche. Cavaillès, ouais, je suis pas emballée, quoi. C'est pas mon. Oui, ok. Pardon. On continue avec un produit que je connais et que j'adore et que je suis très contente de recevoir parce que c'est un produit qui n'est pas très très donné. Alors, je suis désolée pour la lumière si ça vous éclaire un petit peu trop. C'est donc la CC Crème de chez Herborian à la Centella Asiatica. Donc dans la teinte claire, sachant qu'ils mettent teinte claire, mais en fait c'est un produit quand vous le mettez sur votre doigt qui est blanc et qui s'adapte en fait à la couleur de votre peau. Et très honnêtement, je trouve que c'est vraiment un produit qui peut facilement remplacer un fond de teint et qui en plus honnêtement est quand même relativement couvrant. Et je vois qu'en plus, enfin j'avais jamais fait trop attention jusqu'à présent, mais je vois qu'il y a un SPF également de 25. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ce produit? On vous dévoile le secret des peaux coréennes parfaites. Bon, vu que je n'ai pas la peau coréenne, vous comprendrez que la mienne n'est pas parfaite. Voilà, tout s'explique. Donc du coup, entre soins et maquillage, CC Crème SPF 25 révèle une texture transformatrice unique pour corriger les petites imperfections, unifier le teint et laisser un fini ultra naturel et lumineux. Pigments encapsulés qui fondent sur la peau et rehaussent votre teint naturellement. Oui, c'est ce que je vous disais, en fait, en l'espace de 3 secondes, les pigments qui sont encapsulés, en fait, se révèlent au contact de la peau et s'adaptent à votre carnation. Donc, écoutez, c'est avec plaisir enfin, je connais déjà ce produit, mais en tout cas, que j'utiliserai ce produit. Et donc, comme je vous disais, le format vente de 45 ml est au prix de 34,77 €. Donc, là, c'est quand même un produit plutôt sympa à recevoir. Pardon. Et enfin, le dernier produit sur lequel on avait le choix. Donc moi, les rouges à lèvres MAC qu'on avait en... Je crois qu'on avait le choix entre deux rouges à lèvres MAC et cette fameuse huile paille. Donc moi, j'ai choisi l'huile paille parce que les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup. Et je trouve que c'est toujours compliqué de choisir un rouge à lèvres à distance, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré. Et vu que je suis plus fan de skincare en plus, voilà, c'est avec plaisir que je vais tester cette huile et que je l'ai choisie. Donc il s'agit d'une huile. Donc c'est la Carbon Star. Donc une huile de nuit détoxifiante pour le visage. Donc en format 10 ml. C'est un format à vente. Hein. Il est vendu ce format au prix de 20,40 €. Et cette huile, donc visiblement, c'est le soin dont votre peau a toujours rêvé. Huile de nuit clarifiante, elle agit durant votre sommeil pour une peau éclatante dès le matin. Donc écoutez, ce sera avec plaisir que je testerai. Et enfin, bah écoutez, nous en parlons pas, mais en tout cas, j'ai ce petit sachet dans ma box. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc on a reçu un petit bracelet. Alors. Petit bracelet. Hein. Enfin, moi, j'ai un petit poignet et je pense que ça ira très bien pour mon poignet. Par contre, à mon avis, il faut pas avoir un trop trop gros poignet. Donc, voici le bracelet que nous avons dans l'Ablissime. Alors, honnêtement, le design est très sympa. Je porte pas de doré. Hein, je préfère préciser. Par contre, je trouve que c'est un peu
Ouais, je crois que c'est un peu cheap, quoi. Il a... Enfin, je sais plus où j'ai lu. Enfin, c'est sûr que c'est pas dans le... Dans le prescript... Non, pardon, dans le livret, mais... Mais moi, j'avais... Je crois que c'était sur mon... Sur le site directement, où j'avais vu qu'on avait effectivement ce bracelet d'une valeur de 45 euros. Alors, très honnêtement, pour 45 euros, je suis pas du tout certaine de la qualité. Mais vraiment. En plus, dans le livret, je... Ou alors, c'est peut-être moi qui vois pas. Mais on ne nous parle pas du tout du bracelet. Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Dites-moi si c'est moi qui n'y vois pas. Mais on ne nous parle pas du tout du bracelet. Hein. Je vérifie. Non. On ne nous parle pas du bracelet. On nous en parle principalement sur le site. Mais bon, bah écoutez, enfin, moi en tout cas, c'est pas quelque chose que je porterai. Parce que je porte pas de doré déjà. Et en plus, je trouve. Même si honnêtement, ça aurait pu être très très joli. Je trouve le bracelet joli. Par contre, je suis désolée, mais la qualité, mais, je crois, valeur 45 euros. Je suis pas sûre que ça vaille 45 euros. Ou alors, enfin, moi en tout cas, je n'achèterai pas à ce prix-là en boutique. Alors, pour faire le bilan sur cette petite box du mois de décembre, bah écoutez, moi je la trouve plutôt pas mal. Bon, le bracelet, vraiment, je trouve pas qu'il a une qualité qui vaut 45 euros. Parfum, c'est ses crèmes herborian parfait. Un peu déçue par la réception voilà, du gel douche Cavaillès. Sinon, en dehors de ça, les autres produits me plaisent beaucoup. Et le petit coupon Mac très sympa pour Noël, je saurai en faire bon usage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette box, si vous avez reçu la même sélection que moi, si vous aussi, bah, il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu. Moi, j'aime beaucoup partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je vous fais de très très gros bisous et faites attention à Mister Coco, il est parmi nous. Gros bisous.